Attends, la Seigneur nous a conduit à une effroyable découverte. Nous avons réalisé presque 30 années plus tard la Death Drive Mark II. Il s'était apparemment réveillé. La machine mère DD, Death Drive, DDDA, triple A, sommeil dans un sous-sol autre de la Sega. Cette machine mère était un tout nouvel outil de guerre. Une fois créé, les clones pouvaient être contrôlés à distance après avoir été envoyés sur le terrain. Ils étaient chargés de caméras à filtres réduisant les opposants qu'ils affrontaient au combat à de simples bugs, comme ceux que tu combats dans ces jeux, réprimant toutes sortes de culpabilités et endurant les dégâts physiques et mentaux reçus par de vrais soldats au combat. Tes drones étaient des machines de guerre ultimes. Après le Vietnam et le Moyen-Orient, tes drones incapables de souffrir de syndrome post-traumatique s'avère être la plus formidable et la plus terrifiante des solutions possibles au problème de l'armée américaine. Terminer ces jeux entraînera la réinitialisation de la restauration de la DDDA. Travaillant dans les sous-sols de la CIA, tu es sur le point de rendre cela possible. Malgré tout, je veux que tu te souviennes d'une chose. Je ne suis pas en position de t'arrêter, à vrai dire. Avec une idée si précise du moment de restauration du système, je devrais pouvoir m'occuper de ce problème. Une crise dit opportunité. Nous combattrons pour l'espoir. Tu fais dodo? C'est longtemps qu'on n'a pas changé de t-shirt. Nous en faut à nouveau. Cyberpunk. Alors bien. Et toi, Batman? Qu'est-ce que tu vas nous mettre? On l'a déjà fait. Disco Elysium, tout va bien. Moonlight. I'll be back. I will be back. What are you saying? You take over for me now. Wait! What are you? Hey! Garcia! Took 7 of those bullets, and he survives. You will become the hero. Eight heart.
Damned Dark Knight. Shadow. Ça met un petit point de point sur ceux qui disent oh, ils peuvent pas faire du vrai décor, des vrais designs et tout. Hein. Voilà, bouffez votre mère, j'espère que vous êtes content. On va tuer du démon. Ça aurait été cool qu'une fois il y ait personne qui l'habille comme ça et il passe. Hey, ce sont des œufs. Qu'est-ce qui se passe? Le titre de la Dev Ball était Serious Moonlight. Un RPG de Dark Fantasy, un vrai chef-d'œuvre. Mais je connais ce monde, ça vient d'un jeu que j'ai terminé il y a 6 ans, Shadow of the Dame. Garcia et Johnson combattent les démons, c'est un jeu d'action assez connu. C'est une suite ou quoi? Ce sont les enfers. Et que je sache, Shadow of the Dame n'était pas terrible, hein. Dans mes souvenirs, en tout cas, c'était pas la folie. Attendez, je reviens. Qu'est-ce que je vous disais, c'est ces trucs qui vont se faire. Il va rouler. Ah, c'était chaud. On prend des coups. Shadow of the Den, le jeu souffre. Sur Fleming, le roi des démons, qui kidnappe la petite amie de Garcia, Paula. C'est le dernier niveau, la tour de Fleming. Garcia est mort. Il ne reste que Johnson. Johnson devient I Hate Her afin de venger Garcia. Et après, on se rend compte. Ne révèle pas tout pour ça. Laisse-en pour le spectateur. Tout nouvelle, nouvelle. Back alive. Point de vie restauré. Point de vie restauré. Extra. C'est bien la Dev Ball pour Serious Moonlight que tu acquises. Mais une fois chargé, c'est un jeu totalement différent. Ça arrive souvent ce genre de truc. Le Docteur Juvenil a annulé Serious Moonlight. Elle avait créé un RPG d'action de qualité dans un monde ouvert. Mais à l'époque, aucun studio n'était capable de réaliser le concept de cette taille avec des technologies disponibles. Dans l'idée mise au placard, Juvenil a décidé de prendre un énorme risque. Son jeu préféré s'appelait Shadow of the Dame. Elle y jouait dans le monde des rêves, un jeu d'action punk sur lequel ce monde a été battu. Le monde des rêves, n'importe quoi. Je l'ai terminé, je jeu. J'avais de la sympathie pour Garcia, mais j'ai jamais vu un personnage principal aussi cool que lui, c'est sûr. Le mec avait trop la classe dans son blouson de cuir à l'époque. Les gros tas de muscles étaient à la mode dans les jeux vidéo. Ouais, bah vous grattez un peu les couilles quand même, les gars.
l'équipe était pas à chier contre les murs, mais petit avertissement, rester dans les zones sombres t'afflige des dégâts. Ta mort sera rapide si tu restes trop longtemps. Non. Quoi les zones sombres? On va avoir plus de t-shirts. J'aime les t-shirts. Pour le principe déjà, c'est terrible. J'ai loupé une zone. Je le sais. Vous savez. Ah bon, c'est... Oh. Pas grand chose, mais... mieux rien laisser, si jamais. Jour d'environnement. Je l'ai eu le coup du doigt tout à l'heure. Ça fait encore un peu mal. La parole.
plein de gens en live ce soir. C'est cool. Justine, la chanteuse bien-aimée de Fleming. Tous ceux qui l'ont entendu chanter à l'opéra n'en sont pas revenus vivants. Elle se tenait devant Garcia, donnant l'impression d'un combat de boss. Un combat de boss allait commencer, puis le combat était en fait en 2D. En vérité, elle cache aussi une grande féminité. Genre, vous nous avez refait un combat de boss en 2D ? Ça me va, oui. C'est bien. Kim gratte. Et gratte Kim joue. Oh, forward. Avance, gamin. Retournez dormir. Il est l'heure. Se noircit en fait quand les créatures sont là et que on les tue pas assez vite. Il faut les tuer pour pas avoir le monde noir ou ne pas mourir. Ils ont pas été trop méchants. Genre si tu fais ça avec le bouc, ça peut commencer à être tendu. Hein. On va passer dans la maison. On recharge le sabre. Team Katana. Ah, les autres coups de Daemon, les Sœurs Grimm. On ne croirait pas que ces faucheuses soient sœurs. Leur nom, Maras, Colin. Glittin Grimm. En fait, on pourrait dire qu'elles sont sœurs grâce à leur nom, mais c'est un peu. Bref. D'accord. Pas de boss. Elle est violée plutôt, non? Qui es-tu? Hatert est-il de retour? Je suis un assassin badass. Badass, hein? Tu en as assez pour battre un mouton? Tu fais de tes conneries, en garde. Voilà, 5e épreuve, truand.
Sais-tu ce qui rend un mini-boss si terrifiant? La hausse de difficulté. Ouais, je vais te montrer ce que badass veut dire. Tant que je t'explose. Et je suis d'accord, la hausse de difficulté 60. Pour l'instant, j'arrive à la gérer. Parce que j'ai suffisamment farmé. Le farming, c'est cool. Toujours tout droit. Normal, c'est un beat'em all. Ou à gauche, ou à droite, ou tout droit. Logic. Logic Senpai. Elliot la bête. Le terme psychopathe a été créé juste pour ce mec. Il tue, découpe, écorche et dévore. C'est probablement un des plus grands malades de tous les sous-fifres de Fleming. Malade de chez malade. On fait tout un épisode sur Shadow of the Dame. Voilà. Est-ce que tout le monde tourne Peugeot ou quoi? Pourquoi j'ai activé ça, moi? Oh oh, ça a pété. Fuck you, on t'a dit. Clairement, si je continue comme ça, on est mort. J'avance trop à la nawak. On s'est pris 3 explosions d'un coup. Plus le mec à l'épée. Ah, si le jeu voulait vraiment être chiant, là ils auraient mis un truc où en fait tu peux pas rester sur place. Comme dans le truc de la ville. Un truc qui te poursuit en mode. Un Pac-Man. Un Pac-Man, ça aurait été classe. Je pense pas qu'ils auraient eu les droits, mais.
Les droits appartiennent au studio Glasshopper. Vous avez fait Shadow of the Dead. Enfin, que celui-là avait travaillé sur Shadow. Je sais pas si tout le studio avait travaillé dessus. Là je les ai vus les dégâts, mais la fois d'avant je les avais pas vus. Là ça aurait été difficile de pas les voir en même temps. Bonjour, je voudrais des ramen. Volonté, et voilà. Itadakimasu. Itadakimasu. Gochisosa. Tukemen, les ramen dignes des dieux. Un bouillon à la passe de fruits de mer apporte une torre. Une touche d'élégance. Très très tentant. À nouveau, tireur à gage, c'est toi. Il a l'air quand même créé à partir du personnage principal. Je me dis que ça doit être ça, les effets de la Death Mode. Dans les égouts, toujours un très bon moment dans les jeux vidéo, les égouts. Donc vous-même, vous savez, pour le gamer, c'est à peu près notre zone préférée. Back Alive. Oui, Back Alive dit beaucoup de conneries, ça lui arrive régulièrement. Il fait ça pour passer les temps de chargement. Ah, ça ressort une zone. Yeah! Oh!
Move forward. Toujours en avant. Dernier mot de mon grand-père, tu auras bien une douzaine de clés pour continuer au-delà de marcher. Si le bébé a faim, donne-lui une fraise des bois. La clé peut être aussi surprise. Et la fraise des bois. Attendez, je vais aller voir de l'autre côté du marché. Le type l'a trouvé dans le jus. On passait. Qu'il n'y a rien de tout. La fraise des bois. Qu'est-ce que t'es moche. Il passe sa gueule à ce bébé là. Tellement je lui en aurais mis une dans la gueule. C'est un enfoiré de merde. Histoire de recharger le pouvoir un petit peu avant la prochaine scène d'action. Par là c'est plus long. Oh, quand même à des passages des fois. Bébé pas content, toi lui percer la tête avec ton épée. Pour le faire exploser, je pouvais le faire dès le début. Hein. Oh, 4000, attendez, je crois. Ah non. Bienvenue. Ramène façon Jiro, le champion des poids lourds, le ramen, le roi des ramen à base de porc. Une pièce, un mélange. Le type, il attaquait sur Nazmon en jouant de l'harmonica.
Le plus bizarre de toute la bande, c'est le premier boss à avoir été créé. Passionnant, non? Paula, la belle des enfers, aimée du seigneur des démons et devenue princesse, cette adorable demoiselle est une tragédie incarnée. Après avoir été sauvée par son petit ami Garcia, elle doit revivre son traumatisme en boucle, terriblement tragique. Garcia Hotspur. Partner Johnson est un squelette loquace qui peut se transformer en n'importe quelle arme. Les deux chasseurs de démons se lancent dans toutes sortes de combats, instillant la peur même dans le cœur des démons des enfers. Mais ce sont des types qui peuvent tout faire seuls et qui ne sont les plus misérables. Pas faux. De juger de la solitude d'un homme. On a ouvert la porte. That is home. Les enfers m'attendent. Et vous savez ce qui se trouve en fait. Des types comme moi. Qui vont aux toilettes. Travis. Touchdown. Back alive. J'aime bien, on aurait certainement pu prendre un niveau là. Salut mon pote. T'es vraiment LE Johnson? Non, attends. T'as pas le même nom maintenant.
Hate Hope. Tu connais mon nom? Qui es-tu? Un gamer et un énorme fan de Dem. Combien de parties? Seulement 3. Ne pas pouvoir garder les armes des anciennes parties est trop frustrant. C'est le principe. Le retour au point de départ. Oh, c'est pas que ça m'énerve, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir un problème de mémoire ou autre. Et si le jeu devait être adapté, j'aimerais pouvoir le garder mes armes dans la partie suivante, c'est tout. Ok, je transmettrai ça aux personnes concernées. Allez, trêve de bavardage. J'arrive pas à croire, c'est le réel honneur d'être le Johnson avec le Johnson. Le seul qui m'ait jamais vaincu, c'était Garcia. T'es le seul, et ça ne changera pas. Mec, t'as beau avoir trop la classe, ça ne va pas m'empêcher de me lâcher. Il est temps de mettre un terme à la légende. Je déteste le mot légende. Toi aussi, Travis, hein? Ouais, pareil pour moi. Allez, Johnson, regarde. J'encaisse tous les coups. Donne tout ce que t'as, Travis. Avec un petit air de hip-hop parfait. Oh là là. Parfait. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Et il m'aime à pâter. Oh oui. Je le sens bien. On passe en phase 2, Johnson. J'entends la voix de Garcia. Je l'entends moi aussi, cette voix trop classe. Il veille sur notre combat. Garcia, prête-moi ta force, toute ta puissance pour anéantir cet assassin trop badass. Ah ouais, en effet. Ça va? Je le dis quand on a marre. Oh. Bami n'a pas télé. Loser. Cette prise de cash de la qualité. J'aurais même pas bibé, moi. C'est beaucoup trop gentil. Désolé Garcia, je suis un partenaire trop faible. Tu es le meilleur partenaire qui soit. Hey Garcia, continuons cette aventure ensemble. Je n'y arriverai pas seul. Qu'est-ce que t'as, Johnson? Ça ne te ressemble pas? Tu me manques, Garcia. Allons mettre une raclée à cette racaille. Impossible, Johnson. J'ai été envoyé dans la quatrième dimension. Je suis au fond des abysses d'une prison. Où es-tu? Je vais te sauver. Non. Je vais te faire tuer, toi aussi. Cet endroit est un vrai enfer. N'abandonne pas, Garcia. Hé, hey, l'assassin. Prends soin de mon partenaire. Tu ne crois pas, non, monsieur le chasseur de démons légendaires? Pas besoin de partenaire. Débrouille-toi plutôt pour sortir de là. T'as juste à détruire la quatrième dimension. J'ai raison, Garcia. Comme ça, nous pourrons partir de nouveau ensemble. Ça me va. Pourquoi passer mon temps à lire alors que je pourrais faire un peu d'exercice? Je vais t'en sortir sans mon pistolet. Je me débrouillerai à main nue. T'en fais pas, tu es cette fois. Je ne faiblirai plus jamais.
Attends-moi, Garcia, je te retrouverai. Trouver la porte de la quatrième dimension doit pas être si compliqué si j'y mets du mien. Dépêche-toi, Johnson. Ensuite, on attaquera le fils de Fleming. Travis Touchdown, le deuxième homme à m'avoir jamais vaincu. Toi aussi, tu es un vrai homme. Par contre, le blouson de motard, ça me va mieux qu'à moi. À moi. Et au chasseur de démons qui sera plus beau gosse avec un putain de t-shirt dessus. Qu'est-ce que tu veux? Il est musclé et il aime le montrer. Eh, vous avez fini les conneries? Bref, j'espère qu'on se reverra un jour, l'assassin. Ouais, ça serait sympa. Allez, salut Travis. Tu es dans la panade un jour, je te donnerai un coup de main. T'inquiète, j'en ai jamais eu besoin et je n'en aurai jamais besoin. Cercle apparaît vers la quatrième dimension. Adieu Johnson. Eh ben si Gracie Hotspur revient, ça promet d'être intéressant. Pas faux. Beau travail. J'avais un peu peur que tu ne tues Hater, mais c'est bien joué Travis. Grâce à toi, il peut maintenant aller libérer Garcia. Et on peut espérer une suite dans un futur proche. En fait, Paula est au fond dans le yoga ces derniers temps. Elle envisagerait même de déménager à Hawaï apparemment. Comme quoi, le monde est en fait plus paisible qu'il n'y paraît. Pas faux. La puce Crossbone. C'est moyen que ça soit cool. C'est quoi ce bordel? J'ai lancé Serious Moonlight et c'est la suite de Damned qui commence. C'est quoi ces conneries? Johnson et FAO? Et Garcia qui débarque à la fin aussi? Je ne sais même plus. Pas par où commencer pour tout expliquer, mais j'ai parcouru cette fiche de manière qu'en sens inverse. Au moins, il n'y avait pas de monstres zarbi et de mecs tordus pas sympathiques. J'ai enfin rassemblé ici Death Bowl et maintenant la suite du programme est un vrai mystère. Je fou que la fille de ce plouc de Batman revienne ou à la vie ou pas. Mais une chose est sûre, ces Deathball sont un peu comme l'âme du docteur juvénile. Pour être honnête, je dois admettre que j'ai bien eu l'impression que j'allais mourir. C'est à ce moment-là que quelque chose est arrivé. En théorie, dans un jeu de joueurs, ce sera à ce moment-là où tu devrais affronter Batman. Et celui qui m'a invoqué. C'est donc toi, tu m'as l'air un peu bêta, mais peu importe. Je veux bien exaucer un de tes vœux. Alors qu'en dis-tu? Les soucis de la fille de Batman. Tu es bien avide, très bien que ton vœu soit exaucé. Hein? Il y a une fausse Deathball au milieu des autres. On verra plus tard. Bah ouais, j'étais un peu sur le cul quand même. Un chien, un putain de chien. Le microbe de chien qui sort de nulle part. J'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ce chien qui a débarqué, bah en apparence c'était un petit chien, ouais. Mais en fait c'était Batgirl. Ou plutôt, c'était Charlotte. Bref, ce que je veux dire c'est que ma fille a été ressuscitée dans un putain de chien. Hein? Pourquoi un chien et pas un chat? Pas un problème ça. Tu devrais me demander comment j'ai compris que c'était ma fille. Peu importe que tu préfères les chats. Quoi qu'il en soit, j'ai gueulé sans réfléchir. J'ai pas élevé ce sale clébard, Charlie. Charlotte en chien. C'est un peu comme si elle était redevenue gamine. On appelle ça la régression infantile, je crois.
Je crois qu'elle m'a reconnu car elle remuait la queue. Enfin, je dis ça, mais ma charlotte n'aurait jamais montré sa joie comme ça. S'approcher de ma jambe, s'est mise à couiner bizarrement et s'est mise à pisser partout. Comme si elle pissait de joie. Ça m'a percé le cœur, je nageais dans la surprise, la compréhension et la nostalgie. J'étais pris dans un tourbillon d'émotions. Et j'ai commencé à réfléchir à comment briser cette malédiction. Mais je me suis retrouvé avec un autre problème sur les bras. Il va encore falloir que je fasse des trucs que j'aurais préféré ne pas refaire. Dis-moi à ton avis, je devrais faire quoi maintenant? La fille est pas sauvée, c'est un chien. Et la suite, ça sera demain. Pour regarder un peu pour plus tard. On a 5 pièces à steak, ça veut dire qu'on va pouvoir épuiser les stocks. Piconicu dans le web. Dans le web, était pas mal. Chelou parce que j'ai plus de pièces que ce qu'il y a de t-shirt. Autant l'argent je comprends vu que tu vas le faire dans les levels, autant les pièces à steak ça me semble bizarre. Brawlout, je déteste ce jeu sérieux. Même si c'est un Smash Bros libre et gratuit. Du coup il nous reste 3 t-shirts à acheter. Il nous manque une boutique de ramen aussi. Moins 20 000 points. Cher Travis Chushdown, tu as donc terminé tous les jeux de la... Mais non, la CIA sera bientôt réinitialisée. Cependant, nous l'avons échappé même si je n'aurais jamais rencontré en face à face pour discuter de nos stratégies à partir d'ici. Le fait que tu dises ceci maintenant signifie que je suis déjà mort. Ceci est mon ultime message qui te sera automatiquement envoyé si je meurs. Et si je suis mort, cela signifie que je venais les probablement devenu incontrôlable. Bien que j'espère que ces souhaits soient exaucés, je ne souhaite que la libération de ce désespoir sans borne. C'est grâce à toi si nous avons réussi à tout régler aussi bien. Dans un sens, nous avons combattu ensemble. En étant dans les camps différents. Mais à partir de maintenant, je suis persuadé que nos camps n'auront plus d'autre choix que de s'affronter. Si nous réussissons à gagner, alors tant mieux. Sinon, je t'en supplie. Fais tout ton possible pour sauver la Delta AAA et ses exécrables plans pour l'humanité. Trop compliqué pour moi. Tu es qui? C'est ici qu'on se quitte pour aujourd'hui les amis. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. C'était Bakel Live. Ciao les studios.
Et demain, on fait du jeu. Ou pas, on verra. Putain, ce bureau n'aura servi à rien de tout. C'est bizarre parce qu'ils l'ont modélisé et tout, quoi.